Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? On va attendre quelques minutes puisque vous n'êtes que trois étudiants. Où sont les autres? Parce que vous venez de terminer le cours quand même, Madame Bokhada. D'accord. On va attendre quelques minutes et on va commencer. On va terminer l'exo concernant la série numéro 3 concernant l'organisation des données à l'exécution. Il nous reste un seul exo, le dernier exo, et on va passer à l'optimisation des données à l'exécution. Donc, on va commencer avec le dernier exo de la série numéro 3 concernant l'organisation. On va voir quel est le contenu de la pile au niveau des étiquettes. D'accord? On va voir quel est le contenu de la pile au niveau des étiquettes. Au niveau des étiquettes L1, je crois que c'est. Je vais voir la série L1. Au niveau des étiquettes, on a L1, L2, L3. Et dans le sixième exo, on a L1, L2, L3 jusqu'à L5. D'accord, on va voir qu'il y a deux exemples. On va prendre des portions du programme et on va voir quel est le contenu de la pile au niveau des étiquettes. Là, on ne s'intéresse pas généralement aux déclarations, mais on s'intéresse quelle est la forme de la pile. Elle va contenir quoi au niveau des appels, surtout la récursivité. D'accord, là, vous voyez qu'on a un programme principal qui commence par begin et se termine par end. À l'intérieur du programme principal, on a une procédure A dans laquelle elle commence par begin. Et elle se termine par end. Et on a appel, elle va vous donner le nombre d'appels de procédure A. Combien on va appeler la procédure A? D'accord? Donc on vous demande maintenant quel est le contenu de la pile au niveau de l'étiquette L1, d'accord? Au niveau de l'étiquette L2 et au niveau de l'étiquette L3. D'accord? On va voir on est où au niveau de l'étiquette L1. D'accord? Vous voyez que au niveau de l'étiquette L1, on est dans le programme principal. On est passé par le begin du bloc 1. On est arrivé ici. Pour arriver à L1, on fait l'appel. On va l'incrémenter égal. On va l'initialiser à 1 et on va se bloquer à ce niveau L1. On n'a pas encore appelé la procédure A. Quel est le contenu de la pile au niveau 2? Quelle est la zone de données qui est active maintenant? C'est la zone de données du programme principal. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'étiquette L1, on va avoir la zone de données au niveau de le contenu de la pile. Il va avoir au niveau de L1, parce qu'on est en train d'exécuter L1, L1. Donc, on exécute le programme principal. On va avoir dans la pile, on va stocker dans la pile la zone de données du programme principal. Quand on dit la zone de données du programme principal, on peut avoir une zone statique et une zone dynamique. Ça dépend des déclarations qui sont à l'intérieur du programme ici, du programme principal. On peut avoir des données statiques et des données dynamiques en même temps. D'accord? Ou les données statiques et pas de données dynamiques, en fonction des déclarations qu'on a dans le programme principal. Est-ce que c'est bon pour au niveau de l'étiquette L1? Est-ce que c'est bon pour l'étiquette L1? S'il vous plaît. Oui. D'accord. Maintenant, on va voir quel est le contenu de la pile au niveau de L2. Je vais voir est-ce que vous avez compris. Donc, on rentre par le programme principal Begin. On va dire l'appel égal à 1. On est dans L1. Même si on a appelé la procédure A pour atteindre l'étiquette L2, même si on a appelé la procédure A, il faut terminer la procédure A pour aller à l'étiquette L2. Ça veut dire, même si on a exécuté la procédure A, à la fermeture de la procédure A, on a des fois coiffe le cours. À chaque fois qu'on exécute une portion du programme ou là une procédure, à la fin d'une procédure ou là, la portion du programme, on dépile le contenu de la pile, le contenu de la pile pour la procédure. Ça veut dire quel est le contenu de la pile au niveau de L2? Il est égal à L1. Il est équivalent à L1. On est dans la zone de données du programme principal.
Est-ce que c'est bon pour L2? Est-ce que c'est bon pour L2? D'accord. Maintenant, on va voir l'étiquette L3. L'étiquette L3, on est où l'étiquette L3? Je vais effacer d'abord. On est où? On est ici. On est où? On est à l'intérieur de la procédure. Pour atteindre L3, on doit faire quoi? On va incrémenter l'appel. On initialise l'appel égal à 1 et on appelle la procédure à partir de là. Ça veut dire qu'on va appeler la procédure à partir du programme principal. On rentre la procédure. L'appel, il était égal à 1. On lui ajoute 1. Il va vous donner égal à 2. L'appel, il devient égal à 2. Est-ce que l'appel, il est inférieur ou égal à 2? Il est égal à 2. On est dans L2. Ça veut dire quelle est la procédure qui est en train de s'exécuter maintenant? C'est celle de la procédure A pour le premier appel. On a l'appel égal 1 au départ. D'accord? Ça veut dire quel est le contenu de la pile au niveau de l'étiquette? On aura déjà la zone de données du programme principal. Parce que le programme principal, où est-ce qu'il est exécuté? Et on aura de plus le programme, la pile, la zone de données de la procédure A pour le premier appel. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ça va ou là c'est bon? Il y a une différence entre ça va et c'est bon. Est-ce que c'est bon ou là ça va? Ça va, c'est bon. OK. Maintenant, on va passer à un autre exo. C'est la même chose, mais maintenant, on a plus de paramètres et on va voir. Donc, on a un programme principal ici. Programme principal, il commence par begin end. D'accord? Begin end. D'accord? Et à l'intérieur de la procédure, vous avez à l'intérieur du programme principal, on a une procédure A qui commence par begin et elle se termine par end. On va voir quel est le contenu de la pile au niveau de L1. Au niveau de L1, vous voyez qu'on est dans le programme principal. On est dans le programme principal. On a mis l'appel égal à 1 et on est arrivé à L1. Quel est le contenu de la pile au niveau de L1? C'est la zone de données. Quelle est la zone de données active? C'est celle de du programme principal. Donc, on aura au niveau de LL que la zone de données du programme principal. C'est bon. Maintenant, on va voir quel est le contenu de la pile au niveau de L2. L2, il est à l'intérieur de la procédure. Ça veut dire quoi? On a mis l'appel égal à 1 et on a appelé la procédure à partir du programme principal. Le premier appel, c'est au niveau du programme principal. Au niveau de L2, ça veut dire quoi? Quel est le contenu de la pile? On va avoir au niveau de L2, vous voyez, on a déjà la zone de données du programme principal, elle est déjà, puisque c'est elle qui appelle le programme, la procédure. Et on a la zone de données au niveau de L2, on va avoir la zone de données du premier appel, puisque l'appel, il est égal à 1 qui entre le lien. D'accord? Vous voyez? Donc, le premier appel. Est-ce que c'est bon jusqu'à L2? D'accord. Maintenant, on va voir L3. L3, elle est à l'intérieur. L3, on était L2 là, donc la zone de données, c'est ça. D'accord? Donc, on met l'appel plus 1, il devient égal à 2. Est-ce que l'appel est égal à 2? Est-ce que l'appel, il est égal à 2? Il est égal à 2, donc on est dans L2, L3. On n'a pas encore appelé une deuxième fois la procédure. Ça veut dire quoi? Que L2, le contenu de la pile, il est égal à L2 au niveau de L3. On a que le programme principal et on a la procédure, le premier appel qui est dans la mémoire. Donc on a en mémoire le programme principal, la zone de données du programme principal, plus la zone de données de la procédure A du premier appel. Est-ce que c'est bon pour L3? OK. Maintenant, on va voir L4. L4, il est là. Il est à l'intérieur de la procédure. Ça veut dire quoi? L4, ça veut dire quoi? L'appel, il compte plus grand que 2. Ça veut dire qu'on a appelé une deuxième fois la procédure. Ça veut dire qu'on va appeler d'où la procédure? On va l'appeler la procédure, elle va appeler elle-même. Puisqu'in-audou, le premier appel, il est là. L2, L3. Qu'in-audou, l'appel, il est égal à 2. On va l'incrémenter, il devient égal à 3. Il est plus grand que 2, on est dans L4. Ça veut dire quoi au niveau de L4? On va avoir toujours, on a le programme principal pour ne pas le perdre. On a la zone de données de la procédure pour le premier appel et la zone de données de la même procédure pour le deuxième appel. Est-ce que c'est bon pour L4?
D'accord. Pourquoi on fait pour le premier appel, le deuxième appel? Quel est le pour le premier appel? On va garder les paramètres implicites là. On va garder quoi pour le premier appel? On va garder le retour vers le programme principal. Parce qu'on fait un retour vers le programme principal à la fin. Mais là, les paramètres implicites, quand on termine le deuxième appel, on va revenir vers la procédure elle-même. On louche le programme principal. Parce que la procédure, il y a les audits une deuxième fois à la même procédure. Mais le premier appel, il va revenir vers le programme principal. Parce que le programme principal, où est la première procédure, ou bien les autres appels, ils deviennent à l'intérieur de la procédure. Et donc, il y a un changement derrière les paramètres implicites. Les paramètres implicites, on a dit quoi la fois passée, c'est les paramètres de retour vers la procédure, vers le programme appelant. Pour le premier appel, on revient vers le programme principal. Pour le deuxième appel, on revient vers la procédure. C'est la procédure qui est appelée elle-même. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on va voir au niveau de L5. L5, vous voyez, L5, il est où? Il est avant le end de begin du programme principal. Ça veut dire, même si on était L1 là, non. On va aller dans la procédure A. Il faut, pour passer L5, on doit fermer la procédure A. D'accord? Si on ferme la procédure A, on va dépiler ça. On va dépiler ça. On dépile, on revient vers le L1. Donc, au niveau de L1, il est équivalent à L5. Est-ce que c'est bon pour L5? D'accord. Donc, ça, c'est la fin de TD numéro 3. On va passer maintenant au TD numéro 4. TD numéro 4, les TD numéro concernant l'optimisation du code intermédiaire. On va commencer par l'optimisation et on a premièrement un exo 1. Ça concerne, donc on vous donne une portion du programme et on vous demande d'éliminer les sous-expressions communes dans la portion du programme suivante. On vous demande d'éliminer seulement les expressions communes. On ne vous demande pas d'optimiser. Il y a une différence entre la question d'optimisation et l'élimination des sous-expressions communes. Éliminer les sous-expressions communes, c'est quoi? C'est quoi une sous-expression commune? C'est une expression dans laquelle, à un certain niveau, l'expression, elle contient des variables. On a calculé l'expression au départ. Si à un certain moment, on va trouver la même expression ou la même sous-expression, et on n'a pas de changement des variables, des données, les variables qui sont à l'intérieur de la sous-expression, on peut utiliser le premier calcul au lieu de recalculer une deuxième fois l'expression. Est-ce que c'est bon pour les expressions communes? Est-ce que c'est bon? Oui, je répète. J'ai dit que il y a une différence qui est comme on va voir l'exo 2, qui est comme optimiser un code et éliminer les sous-expressions communes. Quand on vous demande d'éliminer les sous-expressions communes, il faut éliminer les sous-expressions communes. Et quand on vous demande d'optimiser un code, ça veut dire on va éliminer les sous-expressions communes, éliminer le code inutile, optimiser les boucles et éliminer même et faites la propagation des constantes. On fait la totalité de ça pour optimiser un code. Maintenant, quand on vous demande d'éliminer les sous-expressions communes, on s'intéresse que les sous-expressions communes. C'est quoi une sous-expression commune? Si c'est une expression ou là, une sous-expression dans laquelle l'expression, on a des variables à l'intérieur de l'expression. Si maintenant on a calculé avec l'expression au départ et maintenant on arrive à un certain niveau, on va trouver la même expression, la même sous-expression et les variables dès le premier calcul de l'expression jusqu'à le deuxième calcul de l'expression, les variables qui sont à l'intérieur, il n'y a pas de changement des valeurs des variables DLL, on peut utiliser l'ancien calcul au lieu de calculer une deuxième fois l'expression. Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc là, on va éliminer les sous-expressions ici. D'accord. Donc, add le code. Donc, on va commencer et détecter quel est. Donc, ADI égale 1 moins 1, J égale à N, T égale 4 fois N, V égale A de T1, I égale à I plus 1, et vous voyez que T2, il est égal à 4 fois I. D'accord? Bon, ben, T3, il est égal à A de T2. Si maintenant T3, il est inférieur à V, on va aller à 5. D'accord? Par la suite, J, on lui affecte J moins 1.
Et T4, on va lui affecter 4 fois J. D'accord? Maintenant, on a T5, on va lui affecter A de T4. Si maintenant T5 il est supérieur à V, allez à 9. Si maintenant I il est supérieur à G, allez à 23. Maintenant, vous voyez, on a trouvé maintenant une sous-expression. Là, T6, on lui affecte 4 fois I. On l'a déjà calculé 4 fois I, il est dans T2. Est-ce que maintenant, le calcul, la ligne 6, la ligne 14, il y a un changement de la valeur de I là-bas. D'accord? Est-ce qu'il y a un changement de la valeur de I? Il n'y a pas de changement de la valeur de I. Ça veut dire, au lieu de calculer 4 fois T et le mettre dans T6, il suffit de mettre que T6, il est égal à T2. Là, T6, il est égal à T2. Et on va utiliser l'ancienne valeur qui est T2. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? OK. D'accord. Maintenant, on a X, on va lui affecter A de T2. On a déjà calculé A de T2, A2. Il est dans T3. Vous voyez, il est dans T3. Je vais effacer Hnebeshchufu. D'accord. AX, on va lui affecter A de T6. A de T2, puisque T6, il est égal à T2. On a déjà calculé A de T2. Il est dans T3. Il n'y a pas de changement de T2. Ça veut dire quoi? On va mettre que X, il est égal à T3. Au lieu d'utiliser X, on va utiliser T3. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Et Hadoun, donc c'est des expressions communes, on va les éliminer, puisqu'on vous demande d'éliminer les sous-expressions communes. D'accord, c'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? D'accord. T7, la même chose. T7, c'est 4 fois I. Est-ce qu'il y a un changement? Il n'y a pas de changement. Ça veut dire T7, c'est quoi? Il est égal à T2. Vous voyez que T7, il est égal à T2. Au lieu d'utiliser, de recalculer 4 fois I, on va utiliser T2. Et par la suite, T8, il est égal à 4 fois G. On a calculé 4 fois G au niveau de la ligne 10. Il n'y a pas de changement. Vous voyez, il n'y a pas de changement de la valeur de G. Ça veut dire quoi? On va, au lieu de recalculer T4 fois G, le mettre dans T8, on va utiliser que, on a déjà calculé que 4 fois G, il est dans T4. Ça veut dire on va mettre ici quoi? On va mettre que T4, il est égal à 8. D'accord? Et on va éliminer le calcul T8. D'accord? Et par la suite, T9, on va lui affecter A de T8. A de T8, c'est A de T4. On a A de T4 égal à 5. Ça veut dire quoi? On va éliminer ça et mettre que T9, il est égal à T8. 5. D'accord. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? S'il vous plaît. Il faut savoir. Mais qui fait le calculer 10, on a calculé 4 fois G. Est-ce que 10, tel le 20, est-ce qu'on a changé la valeur de G? Est-ce qu'on a changé la valeur de J? Même là, go vers 9. On recalcule ça. Vous voyez que T4, t'es out calculé. D'accord? C'est le même J. D'accord? Même si on fait un retour vers 9. D'accord? Même si on décrémente, on bat 4 fois J. Calculer à 4 fois J là. صح ومن بعد ما كيما نديروش لو روتور 29 نكملوا لهنا حتى لو 20 يا با شونجمون دو جي است كو يا ان شونجمون دو جي سي بون داكور سي بون فو فوايي سي سا لي سوز اكسبريسيون كومين سي اون ا كالكولي ان اكسبريسيون او ديبار ولحقنا لا ميم اكسبريسيون اي اون تروف كو لي فاريابل تاعها ما تبدلوش كاريمون من ديبار حتى لتما اون برون لونسيان calcule au lieu de calculer une deuxième fois. D'accord? Et ça, on les appelle les éliminations, les expressions communes. On était là, 9, le 20. Maintenant, A de T10, on veut lui affecter. Là, c'est T3, puisqu'on a X, on la met à T3. Il n'y a pas de changement. Maintenant, T11, c'est 4 fois I. On n'a pas changé le I depuis le départ. Ça veut dire que T11, il est égal à, on va le mettre égal à T2. D'accord?
C'est bon. Et on élimine sous-expression ça. Par la suite, la même chose. La même chose, le 21, on est jeté le 21. A de T2, on va lui affecter X. Aller à 5. T11, c'est 4 fois I, c'est bon. On bat X, on lui affecte A de T2. X, on lui affecte A de T2, c'est T3. On l'a déjà calculé, X, c'est T3. D'accord, c'est bon, on l'a déjà. D'accord. Et par la suite, T2, on va lui affecter 4 fois I. Donc T12, il est égal à. On l'a déjà calculé, c'est T2. T2, il est égal à T2. Au lieu de calculer, puisque le I n'a pas changé. D'accord. Et maintenant, on était où? On était T12. T13, il est égal 4 fois N. On l'a déjà calculé 4 fois N, quelque part avant. 4 fois N ici. Vous voyez 4 fois 1. Il est dans T1. Et est-ce que M3, tel le. Vous voyez M3 qui est Hapto, il n'y a pas de changement de 1. Tel là, il n'y a pas de changement de 1. Ça veut dire quoi? Que T13, il va être égal à T1. On va prendre que T13 est égal à T1 au lieu de calculer une deuxième fois 4 fois 1. D'accord? Et par la suite, A de T, A de T1, on lui affecte T3. D'accord? Et on a de ce côté, il nous reste c'est bon. On n'aura que ça, c'est bon. Donc, après optimisation, on va faire quoi? On va voir quelles sont les choses qu'on a éliminées pour obtenir l'optimisation. Donc là, on va voir que M1, tel le 13, il n'y a pas de changement. Tel le 13, il n'y a pas de changement. Donc, on va avoir tel le 13, il n'y a pas changement. Il y a un changement, ça d'abord, il faut faire attention, le changement, le branchement 20-23. On va le laisser et par la suite vous expliquer comment on a trouvé le 17. 9, on laisse le 9, puisque le 9, il est avant le 13. Le 13, on n'a pas touché avant le 13. Il ne touche pas. Donc, on va voir quoi? On va qu'il a le 13. 14, le 15, le 16, le 17, le 18, A de T7, normalement, c'est A de T7. Le T7, c'est quoi dans notre cas? Là, vous voyez que T7, c'est T2. On va avoir A de T2. A de T2, il est égal à. Il est égal à A de T2. On était où? A de, on a éliminé A de T9. A de T9, je crois, c'est. On a déjà mentionné A de T9. A de T9, c'est T5. Donc, on a éliminé T9 et on a laissé T5. Donc, on va avoir quoi? A de T2 égale à T5. Et par la suite. A de T2 égale à T9. A de T2 égale à T9. Par la suite, A de T10. T10, c'est quoi dans notre cas? A de T10, c'est quoi? Mais T10, c'est T4. Vous voyez que T10, c'est T4. A de T4. A de T4, on va lui affecter X qui est dans notre cas T3. Et par la suite, on a quoi? On a allé à 5. Il reste allé à 5 puisqu'il est à l'avant. D'accord? Par la suite, on a éliminé 23, 24, 25, 26 et 27. On passe directement à 28. A de T12, c'est quoi T12 dans notre cas? T12 dans notre cas, c'est T2. On va mettre A de T2. A de T2, il est égal à quoi? Il est égal à quoi? Il est égal à T15. T15, c'est quoi dans notre cas? T15, c'est T15 dans notre cas. T15. T15, c'est T9, T5. A de T12, T14. T14, c'est quoi T14? C'est V. D'accord. A de T2, on va lui affecter V. Et par la suite, le dernier cas qui nous reste, c'est A de T15, on va lui affecter X. Le X, c'est T3. Ou A de T15, c'est quoi? A de T15, c'est T1. Donc, A de T1, on va lui affecter T3. D'accord. Et maintenant, on va voir comment trouver l'étiquette 17. On avait quoi? On avait allé à 23. 23, il est ici. D'accord? Il est ici, 23. Vous voyez que le 23, le 23, d'accord? On a éliminé le 23. 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 On a éliminé le 24. On a éliminé le 25. On a éliminé le 26. On a éliminé le 27. On a éliminé. Le 23, il vient où? Il vient après aller à 5. Aller à 5, on était où? Aller à 5, il était là. Ça veut dire après aller à 5, on va se brancher vers 17. Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est bon? D'accord. Ça, c'est pour le premier exo. On vous demande d'optimiser les sous-expressions communes. En prenant la prochaine instruction non supprimée après aller à 5. Puisque aller à 5, maintenant, c'était le 22. Elle devient 16. Maintenant, je vais brancher le 23. On va se brancher vers 17. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, on revient maintenant. On va voir quel est l'exo 2 Tana. L'exo 2 maintenant. L'exo 2. Là, l'exo 2. On vous donne une portion du programme. Et maintenant, vous avez optimisé le code de la portion du programme. Quand on dit optimiser les boucles de la portion du programme, ça veut dire quoi? On va éliminer les sous-expressions communes, optimiser les boucles, puisqu'on a une boucle dans la portion du programme, éliminer faire la propagation des données, éliminer le code inutile. D'accord? Donc, en dehors de la portion du programme, on essaye maintenant d'optimiser cette portion du programme. Est-ce que vous voyez le slide? Il est un petit peu flou. Est-ce que vous voyez le slide? C'est bon? Donc là, wesh عندنا? La belle chose, elle est bri. Ça va, Agda? Est-ce que c'est bon comme ça? D'accord. Parce qu'il est un petit peu flou. Qui sont tout, il est flou. Donc, on vous demande d'optimiser. Optimiser, on va essayer d'éliminer ces expressions communes. Optimiser les boucles. Éliminer faites la propagation des constantes et en même temps éliminer les codes inutiles. Donc, I, on va lui affecter 0. A, on va lui affecter n-1. B, on va lui affecter 1. T, une sous-expression commune qui est égale à 5 fois A. D'accord? I, on lui affecte I plus 1. Et T2, on lui affecte C de T2, de T1. Donc là, il n'y a rien de changement. Il n'y a pas de sous-expression commune. Il n'y a pas de code inutile. On va voir. Maintenant, tant que I supérieur à L plus 6. D'accord? L plus 6. Vous voyez, si on laisse L plus 6 ici, on va la recalculer à chaque fois quand on fait le bouclage à l'intérieur de la boucle. À chaque fois quand on revient à la boucle, on va calculer L plus 6. Pour éliminer ça, on va faire quoi? On va sortir L plus 6 à l'extérieur de la boucle. Ça veut dire après optimisation, on laisse le focalien même si on a. Je vais dire une variable H dans lequel on va calculer L plus 6 à l'extérieur. Et quand on va tester par la suite, tant que I, il est supérieur à H. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'on a calculé L plus 6 une seule fois au lieu de la calculer plusieurs fois en fonction du bouclage à l'intérieur de la boucle. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? C'est bon? OK. Maintenant, on revient à Foucault. On badouche la propagation d'une constante. Vous voyez que K, c'est 8 multiplié par 3,14. C'est une constante. Au lieu de la calculer à chaque fois quand on est dans une boucle, parce que nous, quand on l'a fait, K, on lui a fait 4, 8 fois 3,14. Ça veut dire quoi? Pour optimiser les boucles, il suffit de sortir des codes qu'on peut les calculer à l'extérieur. Donc, on va faire quoi? On va mettre le KHDEC à l'extérieur de la boucle pour ne pas la calculer à chaque fois quand on fait un retour à l'intérieur de la boucle. Est-ce que c'est bon? D'accord. Maintenant, on sort de la boucle. On sort de la boucle. On va trouver quoi? En sortant de la boucle, on va trouver que on a quoi? On a 5 T3, c'est 5 fois A. Vous voyez, on a déjà calculé 5 fois A. Il est dans T1. Et vous voyez, maintenant, T1, tel T3, on n'a pas changé la valeur de A. Ça veut dire quoi? Que T1, il est égal à T3. Et on va éliminer ça. Et par la suite, Z, on va lui affecter C de T1. C de T1, on l'a déjà calculé. C de T1, il est dans T2. Ça veut dire quoi? On va éliminer cette expression, cette sous-expression, et on va remplacer Z par T2. Et par la suite, on a quoi? Vous voyez, I, on lui affecte I plus 1, et par la suite, J, on va lui affecter 4 fois, 7 fois I. Au lieu de calculer I, par 7, on dit la propagation, la variation des éliminations des variables d'induction, on va éliminer ça, et faites par la suite quoi? On va mettre 7 fois I plus 1. Donc, on aura le code optimisé. Après ça, on élimine les choses. Donc, on n'aura que ça à la fin
du code. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Mais là, la fois passée avec les gens TIL, on a trouvé une autre optimisation de ça. On peut avoir une optimi plus opti on peut optimiser plus que plus le programme de ça. Ça veut dire quoi? Mais il faut savoir, il faut faire attention. On va voir que l'utilisation des variables, le changement des variables, le domaine d'utilisation des variables. On va voir est-ce que là, quand on a fait head l'optimisation, on suppose que head la portion du programme, elle est à l'intérieur d'un programme. Si elle est à l'intérieur du programme, on ne sait pas est-ce que le i header, le a, le B et le T1, ils sont utilisés quelque part sur le programme. Mais maintenant, si on suppose qu'on n'a que cette portion du programme, on peut optimiser plus ce programme. Parce que si on suppose qu'on n'a rien le programme, on peut voir qu'il y a des variables qui ne sont plus utilisées par la suite, on peut les éliminer. C'est le cas, le I, le I, le A, le B. Le I, le A, le B, ça veut dire quoi? Le A, là, il est égal à N moins 1, et par la suite, B, il est égal à M. T1, il est égal à 5 fois A. Et par la suite, vous voyez que T1, il est utilisé que là. En voyant par la suite en bas, on n'a pas que le T1, il n'est pas utilisé. S'il n'est pas utilisé, il n'est pas utilisé, on va faire quoi? On va éliminer le A, on va éliminer le B, et on va éliminer le T1, et on va éliminer même le T2, puisqu'il n'est pas utilisé par la suite. Il devient une variable inutile. On va éliminer même le I. On va lui affecter 0. On va faire quoi? On va remplacer i par 0. Le i devient égal à 1. Et par la suite, on va voir que le i, on l'utilise à l'intérieur de la boucle. On le laisse, puisque la boucle, on a un temps que de i. On fait le i, variation de i. Et maintenant, le j, le j, il n'est pas utilisé nulle part, donc on va l'éliminer. Par la suite, on va voir quelle est l'optimisation qu'on va avoir. On va avoir cette optimisation. On va initialiser le i égal à 1, h le k. Et on n'aura que ça dans le programme. Si on suppose que le programme HADA, il n'est pas utilisé dans un programme global, on a dans le sens une optimisation locale, ce n'est pas une optimisation globale. Le premier cas, on a fait une optimisation globale, donc on ne sait pas est-ce que les variables qui sont à l'intérieur du programme sont utilisées quelque part sur le programme. Si on suppose que le programme HADA, il n'est pas utilisé quelque part, on n'a que ce programme, on peut éliminer les données HADA qui deviennent inutiles par la suite. Et on n'aura sur le programme que ça. Est-ce que c'est bon? Et là, il faut faire attention. En fonction du domaine d'utilisation des variables, il faut pour éliminer les variables, éliminer de code inutile, il faut savoir la variable, elle va commencer à quel niveau, elle va se terminer à quel niveau le programme. Si on a dit que la variable n'est plus utilisée à partir du domaine d'utilisation du variable, ça veut dire après ça, on peut l'éliminer. Après le domaine de variation, le domaine d'utilisation de la variable, on peut l'éliminer. C'est bon? Bien sûr, est-ce que les variables sont globales ou locales? D'accord? Ou là, il y a comme les domaines de variation, tu as les variables. D'accord? Si on suppose que le programme, il est dans un programme, il est dans une variation globale. Donc, on va faire le premier optimisation. Si on suppose que si on est dans un programme, dans le sens on est dans un programme local, que avec le programme local, on va avoir cette optimisation. Est-ce que c'est bon? Que c'est bon. D'accord. D'accord. Maintenant, on va passer au deuxième et au troisième exemple. La même chose là, on vous demande d'optimiser le code dans la portion du programme. C'est la même chose. Optimiser, ça veut dire on va éliminer les sous-expressions communes, optimiser le boucle s'il y a les boucles, éliminer le code inutile et faire l'élimination des variables d'induction. D'accord. Donc, on aura quoi? On aura head le programme. Est-ce que vous voyez le programme? C'est bon. Donc, là, nous avons T6, on va lui affecter 4 fois G. Oui, la notion du parallélisme dans le programme. Je n'ai pas précisé la question théâtre. Je habite le parallélisme dans l'optimisation.
Il y a quelqu'un qui m'a posé le, je sais pas, le nom Théo, et quel étudiant hein, d'ailleurs. AM, c'est 'Souaïa, monsieur Souaïa, c'est quoi la question? Je n'ai pas saisi la notion de parallélisme dans l'optimisation. Je n'ai pas saisi la notion de l'optimisation dans. Bien sûr, me cache un rapport. L'optimisation, c'est le parallélisme, c'est autre chose. Parallélisme, ça veut dire qu'il y a deux programmes qui s'exécutent en parallèle. D'accord. Là, c'était le même programme, mais dans un programme local, il est à l'intérieur du programme global. Là, c'est pas du parallélisme. D'accord. Donc, là, je dis, T6, il est égal 4 fois J. On va dire, T8, c'est J moins 1. D'accord. On va dire, T9, c'est T9, c'est 4 fois T8. D'accord. Et vous voyez que tu as 4 fois T8. Là, nous avons T8 égal à J moins 1, on va dire 4 fois T8. On va éliminer Hada et faire que T9 il est égal à 4 fois J moins 1. C'est le même principe. C'est l'élimination de la propagation des constantes. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur? D'accord. D'accord. J'ai dit que je vais effacer d'ailleurs. Où je T6, il est égal à 4 fois J. On va dire dans T8, on va faire une décrémentation de J, J moins 1. On va T9, on va multiplier la décrémentation de 4 fois T8. Au lieu de calculer J moins 1 dans T8, on fait directement 4 fois J moins 1. D'accord? Dépend. C'est l'élimination, on dit l'élimination de la variable d'induction. Déjà, vous avez déjà fait V, ça a fait le cours. Est-ce que c'est bon? Oui. Le temporaire temp, il est égal à A de T9. Par la suite, T2, T10, on va lui affecter J plus 1. D'accord? T11, on va lui affecter T10 moins 1. Ça veut dire quoi? On va éliminer ça et on remplacer dans T11, on va remplacer T10 par J moins 1. Si on le remplace, T11, il va vous donner égal à J. Et par la suite, T12, c'est 4 fois J. 4 fois J, c'est quoi? C'est T6. Donc on va avoir T12, c'est égal à T6. Là, c'est T6, ce n'est pas T9. Hein? D'accord? Ça veut dire quoi? Un T12, il est égal à 4 fois J. Et on a déjà calculé 4 fois J. Il n'y a pas de changement de la valeur de J jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? Ce T12, il est égal à T2. Donc on garde que T12, il est égal à T6 et on va éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça et éliminer ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Et par la suite, T13, il est égal à T6. Il n'y a pas de changement. La même chose, T14, il est égal à J moins 1. Et par la suite, on a T15, il est égal à 4 fois J moins 1. 4 fois J moins 1, on l'a déjà calculé. 4 fois J moins 1, c'est T9. Ça veut dire que T15, il est égal à T9. Vous voyez, là, on a calculé là, le Foucault. D'accord? Il n'y a pas de changement de logique. Donc, on garde la trace que T15, il est égal à T9. On va A de T9, il est égal à T13. On va T16, il est égal à G plus 1. On va T17, c'est G plus 1 moins 1, il va vous donner que T17, il est égal à J. On va T18, il est égal à 4 fois J, 4 fois J, 4 fois J. Donc, on l'a déjà calculé, c'est T6. Donc, T18, il est égal à T6. On va l'éliminer. Et par la suite, le A de T8, A de T6, il va être égal au temporaire. Si on va voir l'optimisation de ça, on va éliminer le Foucault. On va avoir le code optimisé. On va avoir ce code optimisé. On va voir que on va avoir T6. T6 ou T9 directement. On va avoir T6, l'optimisation.
T6 ومن بعد T9، T9 إلى إيكال فاز جي، ومن بعد واش عندنا؟ تمبورال إيكال T9، تمبورال إيكال T9، ومن بعد T13 إيكال A دو T6 لهنا، بيسك T12 إلى إيكال T6، T6 داكور، دونك أون فوا أفوار إيكال T6، ومن بعد A دو T9 لتحت واش عندنا الآخرين نحيناهم، A دو T9 TO T15 سي T9، فو فوايي كو سي T9 سي T13، أون أو T13، إي باغ لا سويت أون أورا كوا؟ أون أورا A de T18 qui est A de T6, il est égal au temporel. Et on n'aura que ce code optimisé. Est-ce que c'est bon? On a un code optimisé. Même s'il est local ou global, on ne peut pas le toucher. T6, il y a un code optimisé. T5, il y a un code optimisé. D'accord? T9, il est ici, on ne peut pas l'éliminer. T13, il est utilisé ici, on ne peut pas l'éliminer. Même le temporel, on ne peut pas l'éliminer. On n'aura que ce code. Que ce code optimisé à la fin. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. OK. Donc, ça, c'est le dernier exo de la série, puisqu'on ne peut pas continuer, puisque la série de la suite, là, c'est la génération du code. On va la faire la semaine prochaine, puisque vous venez de faire, le lium aujourd'hui, la génération du code objet pour les expressions arithmétiques. Je vais vous laisser. La prochaine fois, on va faire les expressions arithmétiques sous forme de code intermédiaire. Sous forme de code intermédiaire. Essayez de voir le cours, essayez de préparer l'exocode pour la prochaine fois. Essayez de le voir. Si vous avez des questions, on peut les traiter pour la prochaine fois. Même si vous avez des problèmes, là, on peut le voir, même s'il nous reste le temps, un petit peu de temps, on peut faire même une révision. Vous voyez les cours TEOCOM ou les TD, on peut faire une révision juste après. Est-ce que c'est bon? Parce que je vais être coupé dans une minute ou les deux minutes, parce que si Cisco, il te coupe automatiquement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc on se voit, c'est bon. Donc on se voit mardi prochain à la même heure. On va essayer de préparer l'exo. Bouche la question, s'il vous plaît. Bouche la moula. C'est quoi la question? On peut toujours trouver l'optimisation locale. On peut toujours optimiser, trouver l'optimisation locale à partir de l'optimisation globale. Ça veut dire quoi l'optimisation locale à partir de l'optimisation globale? Bien, global, local. Local, ça veut dire qu'on s'intéresserait à la portion du programme. Si on s'intéresse à la portion du programme, on va voir est-ce que les variables ils sont utilisées plus tard avec la portion du programme. S'ils ne sont pas utilisés, on va les éliminer. Mais maintenant, quand on a une portion du programme et on ne sait pas aller où elle est intégrée dans un programme global, on ne peut pas toucher les variables. Parce que les variables peuvent être utilisées plus tard. Mais si on connaît les domaines de variation, le domaine d'utilisation des variables le programme global, on peut éliminer les variables inutiles. Est-ce que c'est bon, monsieur Abdelghani? D'accord. Essayez de le voir, même si vous avez des questions, on peut les traiter la prochaine fois. D'accord. Essayez de le voir, même les cours TEOCOM. Il faut commencer la révision, puisqu'on va avoir les examens le début de juin. D'accord. Revoyez les cours TEOCOM ou revoyez la série d'exo TEOCOM, la série numéro 1 jusqu'à la série numéro 4. Même la sémantique et le truc que vous avez fait, la syntaxe et le truc à ils rentrent dans l'examen. Il faut faire attention. D'accord. Donc, essayez de réviser et on va se voir mardi prochain pour continuer l'exo 4. Et préparez l'exo pour la prochaine fois. Et on va voir si vous avez des questions pour la prochaine. D'accord? Bisous, merci. Bonne fin de journée. On se voit mardi prochain, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Monsieur? Oui. Est-ce que tu as dit que tu as examen ou résultat? Donc, je vais voir. D'accord. Je vais voir d'accord. Sur le micro. Là, on va voir. D'accord. Ça va. OK.